Dieu, viens à mon aide. Du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Et le Verbe s'est fait chair. Et il habite parmi nous. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions. Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Écoutons les textes de ce vendredi 3 septembre 2021, 22e semaine du temps ordinaire année B, lu par la sœur Christine Pania Ndia et le diacre Mathias Eche Esema, et commenté par le père Walter Wamede Esema. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens, chapitre 1, verset 15 à 20. Le Christ est l'image du Dieu invisible, le premier-né par rapport à toute créature, car
C'est en lui que tout a été créé, dans les cieux et sur la terre, les êtres visibles et les puissances invisibles. Tout est créé par lui et pour lui. Il est avant tous les êtres et tout subsiste en lui. Il est aussi la tête du corps, c'est-à-dire de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, puisqu'il devait avoir en tout la primauté. Car Dieu a voulu que dans le Christ, toute chose ait son accomplissement total. Il a voulu tout réconcilier par lui et pour lui, sur la terre et dans les cieux, en faisant la paix par le sang de sa croix. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Allez vers le Seigneur parmi les chants d'allégresse. Allez vers le Seigneur parmi les chants d'allégresse. Acclamez le Seigneur terre entière. Servez le Seigneur dans l'allégresse. Venez à lui avec des chants de joie. Allez vers le Seigneur parmi les chants d'allégresse. Reconnaissez que le Seigneur est Dieu. Il nous a fait et nous sommes à lui. Nous, son peuple, son troupeau. Allez vers le Seigneur parmi les chants d'allégresse. Venez dans sa maison lui rendre grâce. Dans sa demeure, chantez ses louanges. Rendez-lui grâce et bénissez son nom. Allez vers le Seigneur parmi les chants d'allégresse. Oui, le Seigneur est bon. Éternel est son amour. Sa fidélité demeure d'âge en âge. Allez vers le Seigneur parmi les chants d'allégresse. Soyons dans la joie pour l'alliance nouvelle. Heureux les invités aux noces de l'agneau. Alléluia, 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 alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 5, versets 33 à 39. En ce temps-là, les pharisiens et les scribes dirent à Jésus, « Les disciples de Jean le Baptiste jeûnent souvent et font des prières, de même ceux des pharisiens. Au contraire, les tiens mangent et boivent. » Jésus leur dit, « Pouvez-vous faire jeûner les invités de la noce pendant que l'époux est avec eux? Mais des jours viendront où l'époux leur sera enlevé. Alors, en ces jours-là, ils jeûneront. » Il leur dit aussi en parabole, « Personne ne déchire un morceau à un vêtement neuf pour le coudre sur un vieux vêtement. Autrement, on aura déchiré le neuf et le morceau qui vient du neuf ne s'accordera pas avec le vieux. Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement,
Le vin nouveau fera éclater les outres, il se répandra et les outres seront perdus. Mais on doit mettre le vin nouveau dans des outres neuves. Jamais celui qui a bu du vin vieux ne désire du nouveau, car il dit, c'est le vieux qui est bon. Acclamons la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Christ, pour comprendre le scénario qui se joue dans notre évangile d'aujourd'hui et la réponse de Jésus donnée à ses pharisiens sur le pourquoi lui, Jésus et ses disciples ne jeûnent pas comme les disciples de Jean-Baptiste et eux-mêmes, il nous faut faire un bref voyage dans le temps vécu par ces caractères de notre évangile. Dans la tradition juive, la prière, le jeûne et l'aumône étaient trois œuvres cardinales que tous devaient respecter. Ne pas en vivre d'un reste une faute grave pour le juif. C'est dans cette optique que les pharisiens posent cette question à Jésus sur leur non-respect de la tradition. Aussi, il nous faut savoir que le jeûne et l'abstinence de vin étaient des signes d'austérité liés à l'attente du Messie. Alors là, on comprend mieux la réponse de Jésus à travers la parabole qu'il nous donne. Par les métaphores des invités de la noce, du rapiessage du tissu déchiré et des autres, Jésus fait une simple comparaison. Ses disciples, ici les invités de la noce, ne pourraient jeûner tant que l'époux est avec eux. Ils le pourront alors quand il leur sera enlevé, parce que personne ne va avec un visage morne à une réception festive, ni refuse de manger à un gala de réjouissance. Oui, Jésus représente donc la joie de vivre et la source du bonheur pour nous. Jésus leur annonce donc ainsi qu'à nous que les temps messianiques sont arrivés. Le temps de la joie a débuté avec lui. De la même manière, nous devons accueillir à la fois les joies de la vie chrétienne et les croix qu'elle nous offre depuis que le pot nous est enlevé. En utilisant les comparaisons du danger d'utiliser un tissu neuf, pour faire un patch pour un vieux vêtement et d'utiliser des vieilles outres pour stocker du vin fraîchement fermenté, Jésus voudrait dire à ses pharisiens qu'ils doivent avoir un esprit plus élastique et plus ouvert et un cœur plus grand pour comprendre et suivre les nouvelles idées qu'il leur propose, lesquelles idées, dans de nombreux cas, différentes des enseignements juifs traditionnels. Aussi, Jésus nous invite aujourd'hui à être des chrétiens avec un esprit ouvert et élastique. Puissions-nous l'écouter aujourd'hui et toujours par l'intercession de Saint Grégoire le Grand dont nous faisons mémoire en ce jour. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.